Très attendue par les téléspectateurs de TF1, l'émission Koh-Lanta présentée par Denis Brognard est de retour à partir du mardi 21 février. Dans cette 24e saison qui aura lieu dans la péninsule de Caramoan aux Philippines, de nouvelles règles inédites vont venir bousculer les candidats. En effet, cette année le feu sacré va faire son apparition, avec la possibilité pour un aventurier de se protéger, mais aussi de protéger un candidat de l'équipe adverse. Pour cette nouvelle saison, 20 aventuriers, 10 hommes et 10 femmes, ont été sélectionnés par Adventure Line Productions. Dans ce casting hétéroclite, Nicolas, un homme de 43 ans résidant en Corse du Sud. Marié avec Lisa et père de 4 enfants, le candidat considère sa famille comme sa plus grande richesse. Il travaille d'ailleurs aux côtés de sa femme au quotidien. Nicolas a servi en tant qu'officier dans l'armée de terre aujourd'hui. Nicolas est un entrepreneur à la tête de plusieurs sociétés et d'un fonds d'investissement. À côté de son travail très prenant, le père de famille est également artiste-sculpteur. Pourtant, il avait auparavant une vie bien différente. J'ai commencé à mes débuts en tant que préparateur physique, servi en tant qu'officier dans l'armée de terre, a-t-il indiqué dans son portrait. Grâce à son passage dans l'armée de terre, ce grand sportif a acquis des compétences essentielles pour aller loin dans Koh-Lanta. Nicolas a ainsi expliqué, « Je peux autant être à l'aise sur un parcours d'obstacles. J'ai été maître nageur à mes débuts. Je pratique la chasse sous-marine, ce qui fait une formule plutôt polyvalente. Si ses compétences avancées en survie et sa pratique régulière du sport seront de véritables atouts dans l'aventure, il devra également prouver qu'il peut être stratège pour espérer aller sur les poteaux.